Salut mec. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pitié, non! Non, vous êtes avec eux, vous êtes un terroriste. Je vous en prie, ne me tuez pas, je vous en prie. Ne tirez pas, je vous en prie. Oh, non, oh, ne me tuez pas, du ne calme. Me tuez pas. Non, du calme, j'ai pas l'intention de vous tuer. J'ai pas l'intention de vous tuer. Savoir ce que vous faites. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai pu échapper aux terroristes. Et je voulais essayer de monter sur le toit et j'espérais que là-haut je pourrais appeler à l'aide. C'est par là qu'on y va. Pourquoi vous ne venez pas avec moi? Oh, oh, oh! Venez, c'est par là. Laissez tomber. Venez, j'ai dit laissez tomber. Ils sont des hommes partout. Allez, venez, si vous tenez à la vie, restez avec moi. Tant que nous sachions, il doit y avoir, je ne sais pas, 30 ou 35 otages là-haut, vraisemblablement au 30e étage, et peut-être, disons, 7 ou 8 terroristes. Oui, c'est le scénario classique, en somme. Merci. On se charge de tout, maintenant. Quand on aura besoin de vos hommes, on tâchera de vous le faire savoir. Vous n'oubliez rien, messieurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire John McClane. Et grâce à lui qu'on a été renseignés sur la situation. C'est aussi grâce à lui que vous n'avez affaire qu'à 7 terroristes au lieu de 12. Et il est là-dedans? Qui est-ce? Eh bien, c'est peut-être un policier, mais on est en train de se renseigner. Un de vos hommes? Ah non, sûrement pas. Vous fumez? Merci. Vous ne travaillez pas pour Nakatomi? Si vous n'êtes pas un terroriste... Je suis un flic de la police de New York. New York? Ouais. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux Noël. Ouais, c'est moins embêtant que de perdre son froc, hein. Je suis John McClane. Et vous? Clay. Bill Clay. Vous savez où servir d'un flingue, Bill? Oh, je me suis entraîné à la foire, mais... Et vous connaissez les pistolets avec lesquels on jette de la peinture? Évidemment, ça doit vous paraître ridicule. Bon. Passons aux choses sérieuses, Bill. J'aurais qu'à appuyer sur la détente. Vous venez? Jetez votre arme et donnez-moi mes détonateurs. En voilà une surprise. Hans, jetez cette arme tout de suite. Vous savez que vous êtes un bon acteur. Vous devriez faire de la télévision avec votre talent. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces détonateurs? J'ai utilisé tous les explosifs. À moins que...
Je vais compter jusqu'à 3. Oui, oui, comme pour Takagi. Surprise. C'est pas de chance, ça. J'ai oublié de mettre des balles dedans. Qui n'a pas de chance ? Fais-moi un sourire, les affaires.